Noé, notre voisin, qui nous aura pendant presque 2 semaines alimenté en électricité et eau. Il est adorable. Honoré, ça aura été un voisin exceptionnel qu'on a trouvé au bout d'une impasse. Le truc complètement improbable. Merci Honoré pour votre accueil, votre gentillesse. Et voilà, franchement, je n'ai pas de mots pour décrire la gentillesse. Regardez comme c'est pratique. On fait le plein. Jean-Jacques, lui, en tenue bientôt d'Adam et Ève. Lui, ça y est, il a oublié la ville, il a oublié le monde civilisé. Il se balade en caleçon dans la rue. Il est plus de ce monde. Il a mis un short, mais hier, il est en caleçon. Enfin bref, nous, on se douche à poil le soir dehors. On n'est plus de ce monde. Et puis, vous avez des maisons autour, voilà. Et on a trouvé cette impasse en plein cœur d'Abidjan, à Cocody. Et on a été accueillis avec grande générosité par notre ami Honoré. Merci. Le commissaire. Bon, ben voilà, nous partons pour aller chercher le visa à l'ambassade. Je vous cache pas qu'on est un peu tendu. On verra bien. D'abord, on va aller faire les courses. On a dit au revoir à notre ami Honoré qui nous a hébergé dans sa petite ruelle là. Bon, à côté, c'est un journaliste. Un peu plus haut, c'est un député. Donc on était vraiment bien dans ce quartier de Cocody. Et puis nous voilà partis, le voyage reprend. Donc on va aller à Yamoussoukro après l'ambassade en espérant avoir le visa. Après à Bakoué, il me semble que c'est comme ça, rejoindre nos amis. Et on devrait passer la frontière du Ghana si Dieu le veut. Voilà, on arrive à l'ambassade du Ghana. Voilà, c'est ici, on va se poser là. Et on va aller chercher le visa. Aïe, aïe, aïe. On croise les doigts. On va chercher le visa. C'est ici. Ouh. Le visa pour le Ghana. Voilà. L'heure de vérité. On a nos visas, c'est super, ça y est, on peut partir, on est super contents, vraiment. Écoutez, le voyage continue, l'aventure continue, direction le Ghana. Jean-Jacques, il est très content. Bon, lui, il est occupé. Hein. Allez, la suite bientôt. Alors on se retrouve avec une surprise pour aller à Boaké. Il y a une déviation et puis on est obligé de passer par là. Mais vous avez vu la taille du trottoir là, c'est pas un trottoir, c'est gigantesque quoi. C'est au moins, on a vu les voitures, même les 4x4 touchées. Donc je sais pas. On va voir comment ça va se passer pour descendre là chez
Je sais pas. Un autre chemin parce que sinon là on aurait pu casser hein. Donc je sais pas, la route est bloquée, donc voilà, on va reprendre à droite. Wow, c'est un bordel. Wow. Il y a un camion qui est couché là. Pas parce que de l'autre côté on voit quand même quelques voitures par moment qui passent. Ouais, étrange. Ouais, le bus qu'on a vu tout à l'heure, il est descendu, le blanc là, il est là-bas. Alors il doit y avoir peut-être un passage difficile, je sais pas. Si, vas-y, regarde avec le 4x4, tu fais comme lui, voilà, tu accélères, vas-y, accélère. Il faut que tu lui montres, attention. Ah, putain. Ah, la vache. Ah, j'ai mal filmé, mais tant pis, hein. Ah, putain. Waouh, c'est quoi ce bordel? Si, si, faut que t'aille. Fais marche arrière. Ça, ouais, mais bon. Bon, alors nous voilà retournés sur la route. On a failli s'enliser, enfin, ou s'embourber, je sais pas. Et là, il y a un putain de trottoir encore, punaise, le bordel. Là, on a un passage. Bon, là, le trottoir, c'est impossible, comme tout à l'heure. Et là, on va pouvoir le prendre à droite. Mais alors, quelle histoire, mais on s'y attendait pas du tout. J'en tremble encore, là, de tout à l'heure, là. Truc de dingue. Le camion qui s'est couché tellement les ornières, elles sont grosses. Et on a de la chance, il a pas plu. Vas-y, vas-y. Tu passes tout droit, là. Voilà. C'est bon, c'est bon. Ah. Wow, parce qu'on voit pas, mais c'est hyper haut. Là, on a réussi à rattraper la route normale. Punaise. Et là-haut, il y a une chèvre. Nous suivons nos amis Rodrigue et Angie, direction la frontière du Ghana. C'est parti, nous quittons notre petit monastère, enfin petit gigantesque, on était super bien. Et voilà, c'est toujours nuageux et menaçant, mais il pleut pas, en tout cas pour l'instant. On verra demain, on n'a pas le CPD. Tomber sur un douanier qui nous embête, on sera obligé de faire un autre poste frontière. Sinon, ça passera quand même.